Gab va faire l'intro qui va durer 10 secondes pour l'intro de la série. Donc si vous pouvez tous vous placer dans les gradins un peu partout en mode RP comme ça, il règle 10 secondes avec les playmodes. Eh Guillaume, vous mettez tous. Attends, vas-y, viens, on se casse. On se casse dans les gradins. Vas-y. Et voilà. Personne nous verra. C'est bon, on se cache en haut. Ah, bon, on peut pas en fait. On peut pas, frère. Cassez-vous ici là, cassez-vous. C'est notre zone ici, haut. Vous regardez vers l'estrade et vous vous dispersez un peu et Gap il fait l'intro en fait. Et on doit regarder où du coup, j'ai pas compris. On doit regarder Gap. Magic est tout seul de l'autre côté. Pour l'intro, c'est juste pour replay mode. Parce qu'il y en a trois qui ont compris ce que c'est des gradins. C'est nul. J'ai le droit de mettre ma musique russe. Bam, Nico. Ouais! Wow. Au secours! La règle principale, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous pouvez faire des alliances à 10 si vous voulez contre une seule personne, c'est votre souci. Si vous voulez vous allier à 10 contre moi, 10 contre Gap, 10 contre Kill, 10 contre Aipierre, vous pouvez. D'ailleurs, les mecs, si vous voulez qu'on s'arrange, vous droppez votre adresse PayPal et vous inquiétez pas. Elle arrêtera sa réduction à la minute 100. Donc elle met 99 à 1 minute à réduire. Oui. Ah oui, au pire, maintenant qu'on y est, Summable, renommez-vous tous avec un numéro. Renommez-vous avec un numéro aléatoire. Un numéro à 3 chiffres. Bonne idée ça, attends. Ah, c'est toi, 123. Lilou. Vous pouvez dire bonjour quand je dis bonjour, mais après vous vous taisez les animaux. Hein, parce que ça fait comme un léger, l'intro dure 26 minutes donc c'est chiant. Mauvais record d'ailleurs. Ouais. Oh bah ok, bah on verra bien. Hein. Je note pour la prochaine. Allez, vas-y, lance là. Allez là. Putain, il est chiant, j'en ai marre. 21h le début. J'essaie de lancer mon record, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas avec toi qui parle. Tu te dégages. Vas-y, dépêche. Tu sers pour le vocal. Tous les deux même, elle a prof et quelque chose. Elle s'en bat les couilles, bref. Bonjour à tous. Super. Nickel. Bonjour à tous. Mais putain, mais casse les couilles, Arricolo, au mauvais moment. Ah, c'est bon, je vous avais pas. Au pire, tout le monde se mute, c'est bon. Démutez-vous juste pour dire bonjour. Non. Non. Ok. Bon bah vous n'étiez pas au pire. De toute façon, on est tous des FDP. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue à tous dans la saison 1 de F. Je recommence, il a rigolé, ça m'a saoulé. La saison 1 de. Bonjour à tous. Bienvenue dans la saison 1 de FDP UHC. Enfin, elle sort après tant de mois d'attente et tant de teases. Les règles sont simples. Il n'y en a pas. Le but, c'est d'être le dernier en vie. Et pour ceci, tous les moyens sont possibles. Vous pouvez vous allier à 50 personnes. On n'est pas 50. Comment on va faire? Merci à Pierre de ton intervention si stratégique. Vous pouvez faire semblant d'être ami avec eux et au dernier moment les taper dans le dos. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Le seul but et la seule façon de gagner, c'est cette dernière envie. Sur la map, deux fois par épisode, donc une fois toutes les 10 minutes, il y aura des coffres qui vont dropper. Ces coffres contiennent des loots un peu cool. Ça peut être 3 pommes d'or, 5 diamants, un livre de tier 3, donc protection 3, power 3, sharpness 3, ou respiration 3 et des trucs nasses comme ça. Ou en dernier, un os bon toutou. En parlant des caves, elles sont modifiées. C'est des caves qui sont encore plus abusées que celles de Fallen Kingdom pour ceux qui regardaient à l'époque et qui connaissent. L'XP sera nerf à 50%, donc à vous de vous démerder pour réussir à faire vos items dans le temps imparti. Y a pas de limite de stuff, vous pouvez mettre un full diamant si vous avez envie, vous pouvez faire du protection 4, vous pouvez faire du sharpness 5, du power 5 si vous avez les fils nécessaires, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. La bordure commence à réduire épisode 1. Pendant 99 minutes, elle va réduire. Elle réduit à 0,2 blocs par seconde, donc en gros, un bloc toutes les 5 secondes. La grosse nouveauté, on va dire, si je puis dire, dans cette saison, qui a déjà été faite dans un seul record, c'est que y a Anonymous d'activé. Donc vos skins et vos pseudos seront brouillés, vous aurez tous le même skin, donc un petit skin de Joker comme le gros Joker qui est derrière vous qui est d'ailleurs magnifique. Donc vous ne saurez pas à qui vous parlez, si la personne en face ne parle pas, vous ne saurez pas qui c'est. Faut savoir que dans le tab, le nombre de joueurs sera brouillé. Si jamais il y a par exemple 5 personnes qui meurent au deuxième épisode, dans le tab on sera toujours 20. On veut faire en sorte que vous ne sachiez jamais combien de personnes il reste en vie et qui il reste en vie. Le serveur est host par Stellario que vous pouvez voir en haut à droite du Joker. Ce spawn a été fait par la Quantix Build, donc le logo vous pouvez le voir en haut à gauche là-bas. Allez vous abonner à leur Twitter, ils font des trucs de fou. J'espère que ça va vous amuser. Bonne game! Et que le meilleur FDP gagne, hein. Let's go. Yes. Bon ouais. Chance. Ouais. Okay. Ouais, enfin. C'était l'intro la plus longue que j'ai vue de ma vie. Bon, bonjour, qu'est-ce que c'est que ça? On a un skin du Joker, il est pas mal. Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans FDP. Alors, je sais pas si on va garder ce nom-là exactement ou pas. Par contre, j'avoue, on peut config la game. Du coup, bienvenue dans FDP UHC. Alors je sais pas du tout si on gardera ça ou pas, je sais pas pourquoi non plus ça drop pas du tout, hein, mais Ah, ça y est, ça fonctionne. Ah, quand même, je me disais, non mais... Le truc c'est qu'il faut savoir, on va se dépêcher très rapidement parce que... Bon, comme vous l'avez entendu dans l'intro, peut-être, je sais pas, parce que j'ai eu des petits problèmes pendant l'intro, de type ventilateur, puis quand je suis revenu, j'ai fait tomber mon micro, mais c'est pas grave. Merci pour le resub. Bah merci pour le resub, je sais pas qui. Je sens que ce record, ça va être n'importe quoi.
Mais j'ai... en fait, le problème, c'est que là, c'est un record où en fait, c'est à notre image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle en fait, ça va être le bordel complet. Et genre, quand je dis le bordel, c'est vraiment le gros bordel. Vous allez voir les caves, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, vous allez tout comprendre. Bon, on va commencer par prendre du sable parce que il y a de la canne à sucre aussi là, on va se dépêcher. Parce que on va essayer de faire très très vite quelque chose au centre. C'est très important, vous allez comprendre. En fait, moi, vu qu'il n'y a pas de règle, déjà, on n'a pas le droit de se muter, donc je vais rester mute toute la game. Il y a des chances que des gens m'entendent et tout, mais c'est pas grave. Vu qu'il n'y a pas de règle, etc., qu'on a le droit à tout, moi, je vais pas juste aller me faire mon stuff, etc., et ressortir, etc. Je vais essayer d'aller un peu plus loin et on va peut-être faire un piège en 0-0. Donc c'est pas sûr qu'on le fasse parce que à vrai dire là j'ai absolument aucune idée de comment ça va se dérouler, j'ai aucune stratégie, j'ai rien du tout, rien prévu, nada. Donc je me dis on verra bien sur le coup. De toute façon je sais même pas quand ça va être diffusé, je crois que c'est dans pas longtemps, donc ça va être un peu à l'arrache parce que je vais avoir une semaine pour faire tous les montages de ce truc là et ça va être énormément à l'arrache, mais tout va bien, y a pas de problème. Pareil ça va être un petit peu comme dans LG, c'est-à-dire que ce sera sous forme de petits condensés. Donc c'est-à-dire je sais pas exactement comment ça se passera au niveau des épisodes, ce que je couperai, etc. Mais il y aura pas beaucoup de voix off, c'est ça que je veux dire en fait. Hein. Je vais pas faire des montages hyper poussés non plus. Y a pas énormément de stratégie à voir, y a pas de trucs à expliquer ou quoi. C'est vraiment en fait juste un record pour le fun, en plus de ce qui vient d'habitude. Ce qui est vraiment cool dans ce record, c'est que y a pas de règles en fait et on peut faire n'importe quoi. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. En fait, ça me fait un petit peu penser à la série qui s'appelle Stranded UHC sur Reddit en fait, qui est une série du UHC où en fait, en gros, les joueurs commençaient solo et en fait personne ne savait qui y avait dans le record. En fait, c'était vraiment Skin Anonymous, pseudo Anonymous je crois ou je sais plus. Mais en gros voilà, y avait Mumble Link, personne savait qui était sur le record et le but c'était pareil d'être le dernier survivant, mais tu pouvais faire n'importe quoi. Tu pouvais t'allier avec n'importe qui, tu pouvais faire absolument n'importe quoi. En plus la map est custom, donc c'est vrai que ça change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on va voir comment ça va se passer. Au niveau du pack, puisque je sais qu'on va me le demander, donc si jamais vous voyez des gens dans les commentaires qui posent la question pack pour l'interrogation, et bien comme ça vous pourrez leur répondre la question. C'est le Relay 54 pack avec le Swoon pack de Overwatch de Gap. On va prendre de la canne. On va se dépêcher très très vite. Voilà, on va se dépêcher. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire, quelle stratégie ou quoi. J'en ai absolument aucune idée. J'espère juste que le record va bien se passer. C'est juste ça la question, que je vais pas avoir de problème parce que, étant donné la chaleur de ces derniers jours, le PC a un petit peu du mal parfois, il faut dire. Donc déjà, faut que je prenne ça. Parce que en vrai, si je veux faire un piège, ça va être un piège très basique, hein, ça va être avec du sable et des fleurs, mais voilà quoi, un truc classique. Pour vous dire, je sais même plus comment on le fait, donc ça se trouve, je vais me foirer. Mais on va aussi essayer de faire vite parce que dans 5 minutes, il y a déjà le PVP. Et dans l'idéal, j'aimerais bien être en cave. Ah bah c'est super. J'aimerais juste avoir un livre. Ok, c'est super. Bon, ok, il en reste un, dernière chance. Ok, c'est bon, il y a une vache derrière, dans tous les cas, ça va le faire. Mais décidément, les chevaux ne volent absolument pas, j'ai l'impression. Non, c'est bon, ok. On va essayer d'aller en cave très très vite. On va se mettre très bien stuff, enfin très bien stuff, au moins avoir un minimum de stuff rapidement, parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui sont en train de, comment dire, de se déplacer sur la map et d'essayer de chercher les deux joueurs, parce que vraiment, là, en fait, tout le monde peut attaquer n'importe qui dans 5 minutes, en fait. Et le truc, c'est que bon, la map, on sait pas du tout ce que c'est comme map, on sait pas du tout. Voilà, quoi, c'est une map qui est totalement custom, donc on sait pas ce qu'il y a dans cette map. Mais bon, la map a l'air d'être assez grande, hein. J'ai vu quelques screens. Il y a plusieurs biomes, entre guillemets, sur la map. Donc là, par exemple, c'est un biome particulier, où c'est une sorte de petite plaine avec des arbres et tout. Mais il y a des biomes un petit peu plus, par exemple, moins de terre ou truc comme ça, tu vois, c'est... On va dire que la map change un petit peu des maps qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Bon, ok. On va descendre par là. C'est moi qui ai mis ça ? Non, c'est pas du tout moi qui ai pris ça, on est d'accord. Ok, ça commence bien, il y a déjà quelqu'un qui est juste à côté en fait. On va se casser parce que bon, j'ai pas trop envie de me faire détruire. Bon, pareil, comme dit Axel dans l'intro, il n'y a pas de mineshaft ou truc comme ça, donc pour avoir des fils, ça va être un peu compliqué. Donc on va pas privilégier un stuff incroyable, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire du stuff de fou, donc on va essayer de se mettre juste full diams, je pense, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diamants de ce que j'ai pu voir dans la map. Et puis ensuite, on essaiera de sortir et de faire des choses intéressantes, histoire que ça change un peu, que ce soit pas un point de vue lambda. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a des drops aussi, de façon aléatoire. En soi, je suis pas si loin que ça, je vais peut-être aller faire un tour, c'est pas si loin que ça. En vrai, attendez, c'est quoi, c'est 500 blocs? Ouais, après, non, j'ai la flemme, vas-y, on va prendre du stuff parce que je sens que je vais me faire avoir à 10 minutes là, ça va être problématique. On ira après. Oh, putain, mais attendez, c'est quoi ce bordel là? Est-ce que je peux descendre encore là ou pas du tout? Non, je peux pas casser le bloc là, ok. Bon, ça va être compliqué, je sens. Mais ça va être intéressant. À savoir que cette série sortira sûrement, je ne serai pas chez moi, donc si vous faites des retours sur les commentaires, etc., sur le montage, je pourrai pas changer pour les prochains épisodes parce que tout sera fait en avance. Voilà, là, je serai sûrement en train de prendre un petit bain. Soleil au moment où ce sera diffusé. Je suis peut-être dans une eau à... Voilà, regardez, est-ce que ça c'était pas du bon dégât de chute pour commencer la partie? Par contre, vous avez vu les mobs qu'il y a là? C'est n'importe quoi. On va partir de l'autre côté. Ouais, en fait, c'est vraiment... What the fuck? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir des morts de PvE, ça va être incroyable. Et un des trucs qui me hype un petit peu aussi, c'est le fait qu'en fait, on ne sait pas qui meurt, on ne sait pas qui fait des kills, on ne sait pas qui reste dans la partie. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, il y a 20 joueurs dans le tab. Jusqu'à la fin de la partie, il restera 20 joueurs dans le tab. C'est-à-dire qu'on a aucune idée de quand un joueur va mourir. On ne sait pas s'il va y avoir des morts épisode 1, on ne sait pas s'il va y avoir des morts plus tard dans la partie, on ne sait pas du tout. Donc voilà. Vous avez plusieurs choix de visionnement du coup pour savoir les morts. Soit vous regardez tous les points de vue, c'est-à-dire juste pour savoir qui meurt, etc., de chaque épisode, et ça peut être cool pour découvrir de nouvelles personnes, etc. Soit
Vous regardez un seul point de vue jusqu'à la fin et vous jouez le jeu, enfin en mode vous faites pareil quoi, vous jouez comme si vous étiez à notre place quoi, c'est ça que je veux dire. Après je pense que de toute façon il y a des gens qui vont regarder tous les épisodes et qui mettront dans les commentaires, donc si vous êtes chaud pour faire ça chez moi, vous pouvez les mettre dans mes commentaires et ils popperont certainement dans les top commentaires assez haut. Évidemment, petit disclaimer, n'allez pas voir les commentaires si vous avez pas vu les épisodes parce que forcément il y aura des risques de spoil. En fait, le fait que ce soit un record qui change de d'habitude et que ce soit pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt pas mal. C'est cool d'avoir un petit peu de changement, c'est vrai que voir tout le temps pareil des Switch, tout le temps des Top Gun, tout le temps pareil, voilà, c'est normalement ça commence à être tout le temps la même chose pour vous. Puis là voilà, c'est quelque chose de totalement nouveau, c'est pas un truc stratégique ou quoi, ça reste un UHC de base parce qu'on peut faire n'importe quoi, mais voilà, c'est juste que le but bah c'est de gagner quoi à la fin. Il y a pas de règle particulière, c'est juste bah tu gagnes, soit tu gagnes, soit tu perds, il y a pas d'autre. On va se dépêcher de faire vite notre stuff là. Le PVP va être activé dans une minute. Donc si ça se trouve dans une minute va déjà y avoir des kills. Ça me fait juste très peur cette cave en bas. Ça se trouve quelqu'un est en train de m'écouter. Je vais être parano toute la série, hein. Je tiens à vous prévenir, je vais être juste totalement parano. Ça y est, PVP activé, ça y est. En plus on peut plus parler dans le chat là. Putain, ça y est. À partir de maintenant on est livré à nous-mêmes. On peut mourir à tout instant. Et ça sera déjà la fin de la série. Ça serait quand même incroyable. En sachant qu'il y a quelqu'un qui a posé un bloc à côté. Donc ça se trouve, j'ai rencontré quelqu'un en cave. En vrai, moi honnêtement, je serais chaud pour attaquer même épisode 2 en fonction de qui c'est en cave. Hein. J'ai même pas de stratégie en fait. Le truc, c'est que, je vous le dis d'avance hein, aussi. Si on tue des gens de façon un petit peu. Voilà, si on fait un petit peu les petits bâtards dans cette série, c'est normal, hein. Le but c'est d'être un petit bâtard. Il y a pas de règle, hein. Donc n'allez pas insulter quelqu'un qui viendrait me backstab en cave ou quoi, c'est normal. C'est le but de la série, c'est, comme le dit le titre, d'être le plus gros FTP en fait. Donc allez, on se dépêche, on va faire vite notre stuff. Avant de se faire arracher la gueule, bien sûr. Putain, je joue sans musique, ça fait très très calme, ça fait trop bizarre. Mais vous aurez des musiques parce que voilà, je vais travailler mes montages. Ou alors, ça se trouve, je vous laisserai sans son comme ça. Il y aura pas de son, il y aura pas de musique, c'est juste une ambiance sombre comme ça où il y a rien, juste moi qui parle en fond. Ça ferait bizarre. Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un? Est-ce qu'on pourrait pas se taper déjà là? Parce que moi j'ai envie de me taper là avec quelqu'un déjà là. Allez, mais regardez-moi tout ça là, mais moi je vais pas là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a combien de creepers là sur l'écran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 creepers, 2 Enderman. On va peut-être les regarder dans les yeux parce que bon, j'ai pas trop envie de mourir. Mais en vrai, niveau perles, on peut se mettre trop bien parce que du coup, il va y avoir la blinde d'Enderman. Ça peut être tellement une bonne stratégie ça en fait. Genre de jouer avec genre 10 Underperles et de faire les clean-up en fait. T'attends au 0-0, tu te caches dessous et tu fais que des clean-up. Mais je suis sûr, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir des gens qui vont jouer comme ça de toute façon. Après, il y aura pas la blinde de kill non plus, on est que 20 joueurs, donc. Voilà quoi, mais pour une première saison, c'est vrai que je pense qu'en fait c'est un record qui a énormément de potentiel. Voir une série où tu peux faire n'importe quoi, où tu peux avoir n'importe quel style de jeu pour une fois, où vraiment tout est autorisé. Voilà quoi, ça change. C'est pas un record où t'as 10 000 interdictions, où t'as juste un truc qui est autorisé. Non, le seul truc qui est interdit, c'est les Flame Fire Aspect, quoi. C'est tout quoi, comme d'hab. Ok, on a déjà du diamant. Je vais éviter de sauter quand même, je pense. J'ai très très peur. J'ai très très peur. Ça tombe pas ça? C'est quoi ce bruit? Ça commence déjà à flipper, ça commence bien. Est-ce que je tombe là ou pas? Est-ce que je peux tomber? Alors la question c'est, est-ce que je me fais péter la gueule en bas par les mobs ou pas? C'est pas grave, de toute façon on va pas trop se poser de questions. De l'émeraude, parfait, c'est exactement ce dont on a besoin. C'est bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon d'accord, ok. Donc il rigolait pas quand il disait que les caves c'était du génie. On dirait qu'on a fait un preset sur la map avec les caves. Tu sais quand tu génères un monde sur Minecraft, t'as possibilité de faire des mondes custom. Genre on dirait qu'il a agrandi les grottes, c'est un truc de fou genre. Allez, on va essayer de se dépêcher, on va prendre tout l'or et tout qu'on voit, on va pas sortir avec 50 gapples non plus, ça sert à rien. En fait l'idéal ça serait que épisode 2 j'aille au 0-0 en fait. Si je veux faire un piège, faut que j'aille tôt. Mais le problème c'est que moi je peux pas me permettre d'y aller en ayant zéro stuff parce qu'on connaît très bien les gens qui vont rush. Donc je me demande si on va pas faire l'enchant de suite, direct, très très vite. Ouais, le problème ça va être pour trouver là tout ce qui lac de lave et tout ça. De toute façon, il y en a pas, donc il va falloir que je trouve les source de lave que je monte tout en haut pour faire 4 dopsy. Ouais, bon, on va faire comme ça, hein. On va se dépêcher de toute façon. Hop, on fait déjà 2 pièces parce que voilà. Je crois que ça va être le full diams le plus rapide de ma vie quand même. Hein. Allez, donne-moi un fil, toi. Bon, bah super, décidément aujourd'hui, les mobs ne sont pas très coopératifs, j'ai l'impression. Ah, il faut aussi que je prenne du fer en fait parce que j'aurais besoin pour faire une enclume. Si on veut faire éventuellement une petite épée. Disons sharpness combien, sharpness 4 en diams, pourquoi pas, un truc comme ça genre. Il faut pas que je sois trop long non plus. Voilà, on va essayer d'être rapide sur le minage, vous savez quoi. Il y a du diams encore là, et on va faire direct l'enchant, histoire que j'aille très très vite, parce que sinon on va perdre du temps, et c'est pas du tout le but. Alors qu'il faut rentabiliser ces niveaux actuellement, et rentabiliser le minage. On va prendre tout ça, on va faire la pioche, et on va se dépêcher surtout. Je crois que ça va être la première fois que je vais essayer de faire un piège par contre, hein, donc il y a moyen que je fasse n'importe quoi. Encore un diams pour le dernier de l'enchant. Hop, on va prendre celui-là aussi. Hop, c'est parti. Et on est déjà à 15 minutes, ça passe super vite. Ça va être déjà dans 5 minutes la fin de l'épisode 1. Ça passe trop vite. C'est incroyable. J'ai l'impression que les records passent genre 4 fois plus vite qu'une game normale. Quand on fait un record, on commence à jouer et hop, en fait c'est fini. Genre on s'en rend pas compte de la vitesse. C'est ok, ça me met super bien. J'aurais pas dû faire ça en fait, je suis trop con. Je suis juste trop con en fait. Genre j'ai trop l'habitude de jouer normalement. Moi j'ai pas l'habitude d'aller chercher des minerais comme ça moi. Putain, par contre moi le problème c'est que les gens vont m'entendre en kiff parce que je parle trop en fait. Genre je raconte ma vie dans tous les records. Le problème c'est ça, c'est que les gens vont m'entendre. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont m'entendre en kiff. Moi on va me sauter dessus épisode 2 hein. C'est obligé. C'est pas grave, moi je les attends, je les prends tous un par un, y a pas de problème. Aussi aujourd'hui je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à parler. Comme tous mes records de toute façon, je dis n'importe quoi. Donc si jamais je dis n'importe quoi, bah si mes phrases n'ont aucun sens, n'hésitez pas à les relever dans les commentaires. Je sais que de toute façon vous avez l'habitude, vous avez même pas besoin que je vous le dise pour
que vous le fassiez. C'est ça, c'est français ça ou pas? Oui, c'est français, ça. Bien sûr que c'est français. Oui, ça doit être français certainement, je pense. Voilà, je sais que vous avez l'habitude quand je dis plein de mots plein de fois, par exemple voilà, ou que je dis par contre ou des trucs comme ça, vous avez tendance à me le dire 150 000 fois dans les commentaires. Donc j'ai combien de petits? Ok, 4, c'est parfait. Ça, de toute façon, il n'y a pas de pote de speed, donc on s'en fout. Ça. Et voilà, ma table d'enchant la plus rapide que j'ai jamais fait. Bon, y'a pas de problème. Ah, maintenant on a un autre problème. Lapis lazulite. Ok, c'est bon, on a plus de problème. Comme quoi, finalement, vous voyez, dans la vie, on trouve toujours des solutions. Des fois, les solutions sont devant vous, comme ça. Voilà, prenez ça comme une leçon de vie. Les solutions à vos problèmes sont devant vous, comme moi, par exemple, qui n'arrive pas à cliquer. Quoi qu'en fait, on va prendre efficiency, comme ça on minera plus vite. Protection, voilà, c'est très bien. Est-ce que je pourrais pas avoir du livre protection là-dessus? Bien sûr. Protection. Encore protection? Pas du tout, j'ai plus de niveau. On va essayer de se mettre full diams très rapidement, ça va être bientôt la fin de l'épisode 1. De toute façon, il y aura pas grand chose à voir, je pense que tout le monde va miner vite fait dans cet épisode 1. C'est juste le concept, voilà, qui est cool. Au vu du minage et tout, je pense qu'il y aura des gens qui auront quitté avant. On va éviter d'aller se frotter là-bas quand même, je pense. Hein. Quand même, c'est pas exactement ça que je cherche ici. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là dans l'épisode, mettez-moi ce que vous faites aujourd'hui. Mettez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, voilà. Racontez-moi votre vie en fait. Comme ça, les gens vont regarder les commentaires, ils vont voir plein de gens qui ont dit ouais, moi j'ai rien foutu aujourd'hui, des trucs comme ça, les gens vont rien comprendre. Parfait, c'est excellent. On va remplir l'espace commentaire de commentaires qui n'ont aucun sens. Et ça, c'est ce qu'on aime. Une série qui n'a aucun sens, des commentaires qui n'ont aucun sens, un mec qui n'a aucun sens. Ah non. Hop, on prend ça, 4 niveaux, voilà exactement. De l'émeraude parce qu'on va aller faire des trades avec les villageois. C'est faux, il y a pas du tout de. Vous avez vu ce que j'ai vu? Encore une leçon de vie. Hein. Toujours derrière le gravier, vous aurez toujours du diamant. En plus, bon, c'est pas n'importe quel filon quand même. Hop, 7. Allez, plus qu'une pièce. Est-ce que je pourrais être full day à la fin de l'épisode quand même? Ça serait pas mal. En vrai, je pourrais déjà sortir si je voulais en vrai. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour mourir épisode 2? Pas exactement. Ça se trouve, il y a déjà des gens qui sont morts, on le sait même pas. Putain, si on était en live pour cette série, je pense que toutes les 2 secondes, j'aurais droit dans mes commentaires, dans mon chat, à t'as raté du diamant, bah oui. Bon bah je finirai pas full day à la fin de cet épisode, hein, écoutez, parce qu'apparemment le jeu ne veut pas me donner le diamant qui me manque. Ah bah, regardez, il suffit de l'appeler. Voilà, c'est ça qu'on veut, voilà. Et bah un petit full diams, il manque juste 2 pour l'épée. Ah bah non, regardez, j'en ai assez, incroyable. En fait j'avais tout calculé, c'était pour voir si vous suiviez. Tout est parfait, impeccable. Hop, ça en fait tu jettes. Bon, un deuxième coffre vient d'apparaître. Ah ça par contre je crois qu'il est pas super loin de moi celui-là par contre. En fait ce qui est bien dans cette UHC c'est que t'as pas de stratégie particulière à avoir. C'est tu viens et puis tu joues en fonction de ce que le jeu te donne. Des coffres, pourquoi pas des pièges au 0-0, je sais pas. Fin d'épisode, personne n'est mort, il reste 20 trimars. C'est super génial. On est tous des trimars, voilà, bien joué. Bravo à tous. Allez, on se retrouve dans 2 jours, du coup je suppose ça sera diffusé tous les 2 jours. J'espère que ça vous a plu, que le concept vous plaît. Allez, au revoir. Parce que je suis en train de gaspiller déjà sur le prochain épisode, vous voyez. Putain, le prochain épisode fera moins de 20 minutes quoi. Pouah. Regardez, je gaspille encore du temps, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? Bon, et là, c'est le moment où je vais flipper, peut-être que quelqu'un est déjà passé pour prendre mes fours. On va voir, attention. Oh, c'est tellement classe! Il y avait pas un coffre qui était pas trop loin?